vois un hélico se diriger vers le rendez-vous de Rob Byrne. Tu penses que c'est Rob Byrne? Pourtant, on dirait bien que c'est un hélicoptère de police. Qui d'autre pourrait bien s'offrir un hélico pareil dans cette ville? Pas grand monde. Et tu devrais y aller si tu veux les choper. Et te montre pas trop non plus, il y a les flics. Salut tout le monde, c'est M5 et bienvenue pour ce cinquième épisode de Mirror's Edge. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et je... Ouais non rien, je fais un peu n'importe quoi. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 5. Ouais, voilà. On va démarrer tout de suite avec un beau fail. Voilà, comment bien commence un épisode. C'est merveilleux. Et voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 5. Comme vous avez vu pour le début, on va essayer de trouver Rob Byrne. Et Rob Byrne. Voilà, je reviens là. Non merci. Et voilà, c'est tout. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour introduire cet épisode. Si ce n'est que j'aimerais attraper ce tuyau. Voilà. Voilà, donc on va démarrer tranquillement. C'est là, je crois. Oui, j'éteigne le clonk. Et voilà, il y a plus de tension. On peut donc passer là. Avant il y avait de un courant électrique et voilà. Donc on peut passer ici. On va pouvoir monter. Pourquoi monter, je ne sais pas. Si ce n'est... Oh mais c'est pour passer par ici. Oh. Et continuer donc. Le 2 par là, il a l'hélico. Donc c'est par là qu'on doit aller. Ah mais attrape ce truc. Espèce de gourde. Cette fille est une plaie. Alors, oui, j'ai fait quelques réglages au niveau du son. Je baissais un peu le son. Je vais tester. Si ça se trouve, l'épisode sera totalement à refaire. On n'entendra rien. Mais a priori, ça devrait être bon. C'est par là, je crois. Ouais. Bah voilà. Falloir me... De toute façon, j'écouterai. Je regarderai l'épisode. Mais a priori, ça devrait être bon. Parce que, effectivement, le son était un peu fort. Alors, on va continuer. Je ne sais pas du tout par où je vais. Je suis entré par là, oui. Et la porte s'est refermée direct. C'est sur le plan de l'endroit. Un vrai labyrinthe. Et c'est calme. Pas étonnant que Rob Byrne l'ait choisi. Si des gens s'y rendent en hélico, j'imagine qu'ils seront sur le toit. Trouve un moyen de monter. Ouais, c'est par où? Par là. Ici et... Ouais, bon bah, tranquille. On va continuer. Donc alors aujourd'hui épisode 5, donc mission 5, et là on arrive, bon, celle-là encore, je m'en souviens un peu, mais on va arriver vers des missions que dont je ne me souviens plus vraiment, et encore des missions qui... Ouais. Et des missions qui sont de plus en plus dures, donc les fails vont commencer à être un peu fréquents, on va dire, donc des épisodes plus longs. J'en déduis que non. Ah, je t'ai pas écouté. Passer par là, je crois, ou là-bas. Ouais, d'accord. Est-ce que je peux atteindre ça? Oui, voilà. J'ai loupé la barre, mais c'est pas grave. On va grimper l'échelle. Et comme, évidemment, comme toute logique dans ce jeu, il n'y a rien en haut de l'échelle, bien sûr que non. Oh, oh je sentais le fade. Oh, je... Oh, d'accord. Genre normal. Ouais, bon bah... Ah, je me souviens de cette pièce, j'avais juste, mais... galéré, un truc inimaginable pour arriver à faire cette pièce, alors que c'est tout con. Il faut aller par là. Oui, j'avais escaladé les tuyaux, j'étais sur les lampes, enfin, j'avais passé peut-être une vingtaine de minutes. Et là, on peut pas passer parce qu'il y a un gaz qui nous empêche de passer. Mais si on se retourne là et qu'on fait... On voit un truc à tourner. Et... Oh. Comme de... Par hasard... Pouf! Il n'y a plus le gaz. Non, lâche ça. Lâche ça, je me garde au bout de temps. Mais qu'est-ce que... Ah! Oh. N'appuie pas sur les bonnes touches, je suis bloqué, mais je fais n'importe quoi. Mais c'est hallucinant, quoi. Je pense qu'il va falloir que je change mes touches. Parce que là, je confonds des touches.
Parce que récemment j'ai joué à un autre jeu. Enfin j'ai pas mal joué sur un autre jeu. De... Enfin je ne vais pas en parler. Merde. Sans déconner. Ouais, faut jamais faire confiance à un flic. Il est avec Rob Byrne. Je parais qu'il est trempé dans ce projet Icar. Oh. Je monte voir ce que je peux trouver sur Pope et Kate. Voilà, donc j'ai joué à un autre jeu récemment et les touches ne sont pas pareilles. Non, mais putain. Bruti. Bruti. Mais non, faut sauter. Mais qu'est-ce qu'elle est conne. Et donc les touches étaient inversées, donc je vais galérer un petit peu. Bon bah ça fait partie du jeu. Du jeu. Ouh, ah. Allez vous faire foutre. Personne m'en tue. Ouais. Wait, attends. Deux secondes. Il vient de m'attraper par où là? Ça va aller. Non mais juste. Vous avez bien vu. Il vient de m'attraper par là où je pense. Genre normal. Ouais d'accord. Peut-être que je me concentre. De toute façon voilà, en plus je vais mourir donc on va pouvoir revoir la scène. Vous allez voir, c'est quand même assez frustrant. Le mec m'attrape par. Par là. C'est lui qui t'envoie. Allez vous faire foutre. Personne m'en tue, moi. Voilà, il m'attrape par là. Normal, oui, il a trouvé une prise, tu vois. Ça... Ouais. Oui, bien. Allez. Alors là, la technique, il faut marteler la touche désarmement. Hop, ça marche. J'avais passé du temps et en fait, il fallait juste faire ça. J'ai un putain de baisse de FPS, ça c'est chiant. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. Parlez maintenant. Et vite, parce que vos mains ont l'air toutes moites. Vous avez piégé Kate Connors, hein? La petite fliquette? Ouais. Oh. Pourquoi une flic, hein? La politique, c'est pas mon truc. C'est pas une raison. Qui a tué Poop? Vous? Non, j'ai engagé quelqu'un. Qui? Un professionnel. Ah. Qui donc? Je l'ai rencontré demain à 2h. À l'atrium du centre commercial. Tu les reconnaîtras. Ah, on verra bien. Et vos liens avec Miller? Si tu veux vraiment savoir tout ça, remonte-moi et je te le dirai. Dégagez. Oh. Pas d'embrouille ou vous plongez. Ok. Ok. Ah oh. Ah une aide. Putain, merde, on a tiré. Robert est mort. Qu'est-ce que. Les flics vont bientôt s'amener, Faith. Tire-toi de là. Oh, bon bah voilà. Lui, il est mort. On va. Hop. On continue par là. Alors voilà, donc Rob Byrne est mort. Ça fait... Oh putain. Merde, non, il y a des flics qui débarquent. Ah bah ils sont là. Hop. Puis là, en fait, il y a juste à aller là. Et. Et ben un peu. Oh, voilà. Heureusement, je me souvenais, j'ai passé du temps. Hein. Hop. J'ai fini. Machin est mort, on est tous dans la merde. Coucou. Allez, vous descendez. Vous venez me voir. Non. Vous êtes pas fiers. Boum. Ok, alors on va essayer de continuer gentiment. Comme par hasard, il y a un accès pour sortir. Eh bah oui, c'est comme ça. Boum. Alors je me retrouve. On dirait que Jack Knight avait vu juste au sujet de Rob Byrne. Je me demande qui est le professionnel qui l'a engagé. Moi je sais. J'augmente ton signal, essaie de frayer un chemin. Voilà. On est par ici. Ah oui, c'est par là, ça c'est assez complexe. Eh non, j'ai réussi, c'est tranquille. C'est pas... Ah oui, putain, cet endroit. Moi, je me souviens aussi. C'est pareil, un des endroits où tu... Enfin, qui sont tout cons, mais où on peut passer genre un petit moment à essayer. En fait, là, on sait pas trop. Et en fait, on peut sauter jusque là-bas. Oui, on peut, regardez. Et voilà. Mais putain, pour le savoir... Et on continue. Où est-ce qu'on est là? On dirait le métro. On peut monter là? Ah non, on peut pas monter là. On ne peut pas monter là. Non, personne ne m'arrête. Alors j'adore ce truc parce que. Bloqué, non. Parce qu'il y a un bouton totalement obvious juste devant. Ah, ils viennent même pas les mecs. Oh, c'est bloqué. Je fraude. Je n'ai pas mon titre de transport, mais je prends le métro quand même. Flic, oh. Devant, ils veulent ta peau, tiens-toi prête. Chargement de niveau à la con. Ah ouais, bah écoute, non, moi je cours.
Ah. Aïe, yo. Hop, 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 hop. Oh, 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 je vous nique. Je vais passer par là. Me semble. Ouais, c'est pas ici. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, le truc. Ah. Hop, vite l'échelle. Voilà. Ouais, je me fais tirer dessus d'un coup. Aïe. Ouch. Cela fait mal. Ah putain. Ok. C'était mignon. Continuez, 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 continuez. Passer donc j'attends. Voilà. Là tu passes, tu es passé, tu es passé. Ouais, je peux passer. Hop. En quelle anticipation. C'est beau. Aïe. Mais. Casse les couilles. Hein. Il me casse les couilles. C'est flicou là. Oh. Allez. Et là, on est pépère pendant un petit moment. Ouais. Voilà. Je pense qu'on pouvait remonter quand même. Oui, on peut en monter. Bah là, écoute, c'est... Voilà. Hop. Se baisse. Simple. On tombe. Voilà. Ça a l'air d'être par là. Hein. Ouais. Ah oui. Maintenant, hors service, interrupteur de score dans mon bureau de le concierge. Bah écoute, on va aller dans ton bureau, le concierge. C'est par là. Évidemment, j'ai sauté trop haut donc je n'ai pas réussi à attraper la barre. Boum, et voilà. La porte. Boum, interrupteur. Je clonque. Interrupteur ouverte de secours, appuyé pour débloquer le verrouillage. D'accord. J'ai cru qu'il n'allait pas l'indiquer. Et voilà. Et donc là. Ah oui, non, c'est effectivement le métro. C'est pas une zone très géniale cet endroit. Je tiens à. À le dire. Oui, oui, c'est bon, je bouge. Hop. Alors là, c'est assez étonnant. La. Ah qui me tire dessus. La fréquence à laquelle arrive le métro. Mais c'est genre 1 toutes les 15 secondes, quoi. C'est un truc que, bah, à Paris, moi j'habite à Paris, on n'a pas ça. Le métro arrive tous les 3-4 minutes. Et même, je pense qu'en. Dans des pays où il y a plus de monde, que les. Je sais pas, le Japon ou la Corée ou des trucs comme ça, c'est même ça arrive pas avec une fréquence comme ça, c'est quand même assez bizarre. Voilà, on continue. Ah oui, il y a une salle assez particulière. On descend par là. Hop, on prend par ici. En fait là si on saute là dessus bah on se fait un petit peu découper, donc il va falloir arriver à passer. Le vrai chemin en fait, c'est, je vais vous le dire maintenant, hein, c'est par là, à travers ça. Mais comment y aller? Eh bien écoutez, je vais vous montrer, hop, hop, on arrive à monter là, puis on passe là, et là, on active ça, qui désactive tout, et après il faut se rendre vite. Là, et hop, on passe par ici, tranquille, aucun problème. Et on peut passer. Et là, hop, il y a le métro. Et il faut monter sur le métro, effectivement. Et je me suis fait niquer. Alors, là, cette partie-là va être juste totalement abusée parce que je vais juste. Voilà. Fail un petit peu toutes les 10 secondes. C'est le métro. À moins que j'y arrive du premier coup, ce qui est, je sens, m'arriver en fait. Mais. Voilà. Je suis sur le métro et je suis relativement dans la merde. C'est marrant, puis cette scène vous fait penser à la fin du film Speed, ceux qui l'ont vu. Où voilà, il y a une scène comme ça, sous le haut d'un métro. Ah, il faut que je change de métro à ce moment-là. Je vais tomber. Tomber et jump. Oh putain, du premier coup. Oh, c'est. J'ai apprécié le temps. D'habitude, non, ça marche pas. D'habitude, c'est ouf. Aïe. D'habitude, j'y reviens à peu près 7-8 fois. Plus. Je suis mort. Oui, voilà.
Oh yeah, yeah, yeah. Oui voilà, donc Zewi, le film Speed, ceux qui l'ont vu. Voilà, c'est un film de type action, suspense, tout ça. Un gros machin quoi, c'est un film américain, mais à la fin il y a une scène comme ça avec le héros et le méchant se tapent au-dessus d'un métro. Et le plus génial c'est que ces trucs là, en fait, qui tapent la gueule a priori, bah se servent. De base ça devrait nous tuer si on était humainement foutu bien. Allez, on y va, on saute. Oh, hey. Oh merde, le téléphone. Je vous reprends juste après le téléphone. Et c'était le téléphone. Et je me fais un petit paniquer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. Le téléphone a sonné juste au mauvais moment. Fail. Alors on va essayer de l'avoir cette fois. On va essayer d'avoir le métro. Non. On va essayer différemment. Voilà. Ça devrait être bon, tourne le toit, c'est pas grave. Ok. Moi je vais essayer de. Je vais parler un peu moins parce que c'est pas. Ah, très facile, on va dire. Normalement, je me prends surtout cette nuit. Je saute là, voilà. J'y arrive bien, ça va. Là, ça va être. Ah! Oh putain! Ah! Wait, je suis encore mort? Oh putain! Non, je peux vraiment pas par ce côté-là, donc il va falloir que je prenne comme ça. Ouais, je vais glisser. Voilà. Alors. Ah, concentration, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Hop, ça c'est fait. Ensuite, boum, ça c'est fait. L'autre métro, on va attendre un peu. Tac, passe, on va dire qu'il n'y en a pas. Hop, hop, voilà, allez, concentration. Hop, ça je saute, ça je passe sur le côté. Allez, hop, sur le côté, baisse-toi, oui, bien, baisse-toi, allez, ouais, ouais, saute, saute, mais calme, calme, oui, 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 baisse, baisse, vas-y, vas-y, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre, oh, 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 beau gosse. Oh, beau gosse, beau gosse, beau gosse, beau gosse, c'est beau, c'est beau, et là... Boum. Merde, je suis mort. Ah, merde. Ah, d'accord. Putain. J'ai eu peur tout d'un coup, là, je me suis dit, oh, putain. Une autre âme. Ah, ah, vite. Non, vite. Boum. Oh. Complètement niqué. Je suis sûr qu'il y a... Je sais pas, il y a des gens dedans. Bon bah ça se trouve, je suis responsable de la mort de 350 personnes. Et si t'as besoin d'autre chose, c'est l'aspect pas très loin. Appelle-la. Genre, tu sors du métro comme ça, la porte est ouverte. Oh, c'est la fin de la mission. Eh oui. Je vous laisse donc sur la cinématique suivante. La tanière de mer. Commercial New Eden. J'irai y faire un tour. Hé, hey, Faith, pourquoi tu fais ça? C'est pas nos affaires, nous. Je sais pas, on reste à l'écart. Quand j'étais gamine, je me rendais pas compte de ce que c'était cette ville. Mes parents, oui. Enfin, ils savaient qu'elle valait la peine d'être protégée. Pope connaissait mes parents. Les manifestations, les pressions. Ils nous emmenaient quelquefois. Mais je comprenais pas vraiment l'intérêt à l'époque. C'était un jeu. Merck m'a dit pour ta mère. Elle est morte dans les émeutes du centre-ville. Une manif qui a mal tourné. Oh, c'est triste, c'est triste. Après ça, on s'est quasiment perdu de vue. Mon père ne se l'est jamais pardonné et j'ai quitté la maison peu après. Sans lui avoir vraiment pardonné, non. Oh, fugue. T'as rencontré Merck? Ma surprise, en train de le cambrioler. Oh! C'est vrai?
Il m'a jamais dit ça. Il m'a prise sous son aile. Je voulais sortir de la rue, alors j'ai dit oui. C'était l'occasion rêvée pour moi. Ouais, mais aujourd'hui, Faith, tu devrais arrêter de risquer ta vie comme ça. Ils ont piégé ma sœur, Céleste. Je peux pas rester sans rien faire. Je lui dois au moins ça. Je survivrai, comme toujours. La survie, c'est un peu surfait. Tu devrais prendre le temps de vivre. Dis, tu viens avec moi demain? Ça m'aiderait bien. Non, Drake a du boulot pour moi. Tant pis pour le shopping. Faith, je dois y aller. Vas-y. Je sens qu'on va pas tarder à nous tirer dessus. Ça ira. Et donc... Ah merde. Fais gaffe. Voilà, je me fais troller. Oui, donc les voix étaient vraiment pas fortes dans mon casque, donc je sens que vous n'avez absolument rien entendu. Au pire, les sous-titres sont là. Et donc, je vais mettre en pause, histoire de... Bah, voilà, il se passe rien. Alors, bah voilà, c'était les Pleasure Sync de Mirror's Edge. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettre un commentaire, dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, elle est géniale. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode, l'épisode 6, quand il sortira la prochaine fois, je ne sais pas encore. C'était M5 pour Mirror's Edge. Ciao !